Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sorts. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15, 16, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie et sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Comment s'est fait que vous êtes venu ici? Elle pratique la sorcellerie. Oui, j'ai compris. Oui. Elles ont sucé mon sang. Elles m'ont vendu. C'est bizarre pour bien. Elle est sucée sur ça. Ils t'ont tiré aux yeux de ça. Quand t'es rien morte. T'es morte. Elle est sucée. Vous voyez Bissap au marché, c'est ça déjà au buvet. Comme des vampires. Le groupe a demandé. C'est ça, il dit que c'est leur maman, ils vont donner. Mais c'est comme ça? Donc, on m'a donné. Mais même côté ici, là, sans son fait comme ça. C'est dans un jour-là, ça arrive. Même ils ont mis une maladie sur mon corps. Mais pourquoi mon corps? Ils t'ont bien tué, tu as une maladie. Quelque chose, ils t'ont tué, ils t'ont mangé. Qui a mangé sa tête? Qui a mangé la tête de la dame? Moi, on dit. On dit à mes groupes. Je retiens une petite, moi, mes familles. Qui a mangé sa tête? Elle dit que c'est ceux qui sont déjà là-bas. Et qui l'a donné? Qui l'a donné? Ok. Toi, tu donnes, toi, tu manges la tête. Tout le monde connaît ça ici. Ici, là, tout le monde connaît. C'est toi qui donnes, là. C'est toi qui manges la tête. La tête, là, ça donne. On ne va pas dire qu'il mange la tête. Et toi, tu es délivré. Ici, où tu es venu, là, où tu changes, où on t'envoie quelque part, hein. Ouais, si tu es venu ici, là, d'ailleurs, tu ne peux pas nous essayer. Tout est déjà bouclé. Là où tu es rentré, là, c'est, tout est fermé. Spirituellement, tout est fermé. Tu l'as déjà mangé, non? Hein? Tu sais quoi? Tu as pas de parler. Là, tu fais, tu as peur de quoi? Mon noir. Combien? Moi, je ne bosse pas. Vous voulez? Ah, ne jouez pas moi. Moi, je suis en train d'apprendre. J'apprends seulement. Comme l'élève est bien puissant que le maître, vous entendez? C'est le plus puissant que vous le parlez. Tais-toi, en train de faire ton palabre. Ils t'ont dit à manger. Attends, on va arriver. On va arriver dans leur non, estomac. C'est toi. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est toi, toi tu te transformes. C'est toi qui te transformes en baguia. Doucement. Doucement. Tout ce que tu vas entendre là, tu vas entendre. Mais dans le but de les délivrer, hein? Non, parce que sinon on les délivre. Notre esprit, c'est de les délivrer. Ça, pas pour les maltraiter. Elle dit quoi? C'est une femme de la plupart, elle s'appelle une bonne. Elle a tué combien? Toi, mais t'as tué combien? Tu as tué 10 personnes. Comment tu les tues? Papa, ça fait une bonne. Parle fort. Tu te tends un chien, ça c'est vrai. Puis tu fais comment? On va passer à une chien. Quand tu as un chien, elle va travailler. Elle va travailler.
Franchement, tu te fais quoi? Elle se transforme en chien. Tu te transformes en chien. Comment tu attrapes les âmes? Elle va pas s'attraper. Il dit qu'on nous donne un médicament là-bas. Comment? Ça c'est comme un médicament? Arrête, sorti la face. Elle dit que c'est un micro. Et puis tu fais quoi ça? Elle dit qu'elle souffle. Tu souffles la poudre? Qu'est-ce qui se passe? Ça aussi. Ah, elle souffle la personne qu'elle doit tuer. Donc, Kako, tu te sois ici. Kako, quitte à France, arrête à mon nom. Après ça, tu tues la personne. Après ça, tu ne peux pas pitié. Elle dit que c'est comme c'est une mission, sinon que la personne fait pitié. Maintenant, tu as gâté quoi? Donc, on peut un sac de 100 euros. Vas-y, sorcier, tu passes seulement. C'est vrai, vous tuez ou mangez, mais vous gâtez la vie des gens. Vous gâtez. Donc, dans le nom. Quel est qui? Naomi, elle est qui pour toi? Dans ta famille, là, t'as gâté qui? Tu entends des mentir, non? Toi, tu es sorcière? Oui ou non? Ah, avant de te justifier, c'est une question qu'on t'a posée. Réponds d'abord à la question avant d'aller. Pourquoi vous êtes toujours même chose? Je te dis, tu es sorcière. Oui ou non? Tu veux dire, accuser quelqu'un? Votre respect, c'est l'accuser. Tu es sorcière? Comment tu es sorcière? Hein? Ils t'ont mis dedans, t'as pas dit non. Tu tues pas l'homme. Stop. Qui a vendu les pieds là? Qui a vendu ça? Quand je suis parti une fois, et puis ils ont pris mon pied. Hein? Quand je suis parti une fois. Tu as vendu ou ils ont pris le pied? On me dit de donner, c'est ça. On me dit de donner quelqu'un, c'est ça. Il dit je n'ai pas quelqu'un, c'est ça, ils ont pris mon pied. Tu dis quoi? On me dit de donner, de tuer quelqu'un pour eux. C'est ça, il dit, je n'ai pas. Ah, tu mens, parce que tu veux être grand. Le pied que tu as donné, là, donne le pouvoir de chat. Oh, le pouvoir de chat, là, ça te permet de t'envoler, de tuer partout. C'est pour ça qu'on t'a donné ça. Sinon, sorcier ne mange pas pied. Stop. Sorcier ne mange pas pied. Il va pas quoi un pied. Quand tu donnes une partie de ton corps, ça te donne un pouvoir. Et ça, tout le monde sait. Sinon, le sorcier, c'est tout. Le corps entier, il mange. Il va faire ton pied. Si tu as donné toi-même ton propre pied, c'est pour avoir un pouvoir. C'est pas ça? Non, comme il ne voulait pas donner. Attends, tu veux être délivré. Il ne veut pas. Hein? Si tu mens, ça ne va pas t'aider. D'ailleurs, si tu mens, je sais. Ici, là, c'est pour te faire sortir de la sorcellerie. Tu aimes la sorcellerie? Non. Regarde-moi dans les yeux. Tu aimes la sorcellerie? C'est bon. Nous, on peut t'enlever dedans. Ici, on dit la vérité. Si tu mens, je sais. Tu dis la vérité, je sais. Tu pleures pourquoi? Quand tu mangeais l'homme là, tu pleurais. Quand tu mangeais l'homme là, tu pleurais. Lève tes yeux, regarde. Arrête de pleurer. On appelle ça l'âme de crocodile. Le jour où tu as donné la sorcellerie, t'as dit à quelqu'un? Alors, lève tes yeux, j'aime regarder. Le jour où t'as mis dans la sorcellerie là, tu as dit à qui? Alors, maintenant pourquoi tu pleures? Tu dis des sorciers. Hein? Maintenant tu as mis dans la sorcellerie, tu n'as pas dit à quelqu'un. Maintenant tu pleures. Elle dit que tu as aimé la chose. Madame, c'est toi qui te transformes en ma gueule. Comment tu fais? Hein? Ah, allons-y. Qui t'a donné? Votre patronne, elle est où? Elle a bien parlé. Et comment elle fait? Elle a donné même pour qu'elle a donné celle-là. C'est la même pour qu'elle t'a donné. Maintenant, toi, tu te transformes en ma gueule pour envoyer les informations. Tu as tué combien?
10 personnes, non, toi tu as tué 18. Il n'y a pas 10 personnes. Tu es malade ou bien. 10 ou 18? 10 ou 18? Hein? Bon, qu'est-ce que tu veux? De t'aider ou bien de te jeter? Hein? Bon, quelqu'un qui veut t'aider, tu le mens. Tu as compris? Moi, je suis en train de t'aider. Maintenant, toi, tu es en train de me mentir. De faire quoi? Donc, tu aimes la sorcellerie? Hein? On va t'enlever dedans. Tu as dit que tu as donné, non? Ils t'ont donné là. Nous, on peut t'enlever dedans. Est-ce que c'est toi qui allais payer la sorcellerie? Eh bien, donc, tu aimes ça alors? Ben, nous, on veut t'enlever dedans. Donc, dis la vérité. Si tu caches, on va savoir ça. Nous, on sait tout. On peut t'enlever dedans. T'as quel âge? Hein? Elle a 10 ans. Oui. Ah, 10 ans. Mais elle mange bien quand même. Parce que nous, on a des gens de 13 ans là. Quand tu les regardes, là, ils sont secs, hein, petits, secs. Il y a petite vitamine. Tu as tué 18. Comment tu fais pour tuer? Quand ils m'ont donné le pouvoir. Hein? Là-bas, Yesu. Tu fais quoi? Yesu. Annette t'emmène dans l'oreille. Et puis la personne devient gazelle. Hein? La personne devient gazelle. Tu souffles la poudre. La personne devient gazelle. Puis tu fais quoi? Mais comment tu fais? Pour aller jusqu'à tuer. Hein? Il y en a cœur. Non, non. Pourquoi on arrive à lever cœur? Toi-même, tu fais comment pour entrer dans sa maison? C'est tout ce que je veux savoir. Maguire, tu touches la maison. Quand tu touches la maison, tu disparais dans la maison. Tu tombes dans la maison, c'est ça? Mais arrivé maintenant à la maison, tu le transformes. Tu n'as pas peur. Tu es enfant, puis tu es dans le fait des vieilles personnes. Les sorcelleries, nous, on pensait que c'était pour les vieux. Hein? Et il faut parler. Toi, tu as donné ton pied, comme Shibuya. Pas de bœuf. On est là, non? Les pas de bœuf qu'on fait à Tchouké, là. Non, laisse. Elle a mangé ça. La dame l'a mangé. Hein? Elle a bien mangé. Fallait donner des pieds. Dieu te donne pied, tu donnes aux gens pour manger. Fallait tu veux pouvoir. Regarde-moi ici. Tu plais pourquoi? On t'a frappé. Donc arrête l'arbre de crocodile. Sorcellerie là, c'est pas pour les enfants. Même si c'est pas bon, mais c'est pas pour les enfants. Pour les enfants, vous trouvez dans les conneries, dans les vilaines choses. Et puis tu vas avant pied. Ne moyens pas. Tu sais ça, non? Hein? Il faut que ton cœur descende. Sinon, moi-même, là, il te descend, tu chutes. Ton cœur qui te blague, là, tu ne moyens pas. T'as compris? Il ne peut même pas attraper mon âme. Mon âme est protégée. Donc, il ne faut pas jouer bon. Ton cœur qui a été blagué, ça te blague. Hein? Faut essayer. C'est sans cachot dans tes narines, tu chutes. Donc, tu as donné ton manger. Tu l'as regardé manger. Je t'ai demandé. Eh, regarde-moi. Ici, on parle. Hein? Ce que tu as fait, tu parles et puis on te délivre. Elle a bien mangé. Ah, c'est très bien. C'est la même doit manger à Tchiké, même là-bas. C'est pas du riz. À Tchiké, comme ça, c'est rapide. Il t'a donné le pouvoir. Là. Elle t'a donné le pouvoir. Là. Il n'est pas encore ici aussi. Hein? Il n'a pas encore reçu. Elle n'a pas reçu le pouvoir de disparaître. Pardon. Appelle les sorciers dans ce monde de travail. Je sais mieux faire ça. Si un sorcier donne, aucun sorcier sur la terre ne peut donner une partie de son corps. Ce n'est pas dans leurs règles. Dans vos règles, ce n'est pas dedans. Si tu as donné une partie de ton corps, c'est pour prendre un pouvoir. Vous les sorciers, là, vous pensez que vous Donc, madame, et comme ça, tu tues les gens. Tu les tues comment? Tu as gâté qui? Tu es petit comme ça, sec. Et puis, tu fais les choses
Bizarre, bizarre, bizarre. La nuit, c'est la nuit qui fait. Tu ne peux pas grandir alors. Il te demande, tu as gâté qui? Hein? Non, non, dans la famille, laisse avec les camarades, dans la famille. Tu as. C'est quoi ça? C'est quoi? Monte, monte. Monte, monte. Tu lèves ton pain. C'est quoi? Ouvrez, ouvrez la plaie là. Sous les pains là. Et puis c'est pain noir, tu mets là-dessus. Allez, pain là. C'est quoi? Tu as vendu ton pied. Comment tu as vendu ça? Pour avoir quoi? Quel pouvoir? Ah, pouvoir de tuer les gens. Tu as vendu ce pied là. C'est bon alors. Est-ce que c'est normal? Vous là. Tu es sorcière? Pas de vent. Hein? Toi, tu es forte, là. Tu es forte. Tu mets moins. Non. Toi, tu es forte. Hein? Hein? Tu es sorcière. Et toi, tu es sorcière. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Toi, tu veux rien. Bon, dégage, tu veux rien, dégage. Non, tu veux pas guérison, tu dis rien. Allez, dégage. On te soigne pas, allez, dégage là-bas. Tu veux pas guérison. On n'a qu'à manger ça. Aïe, chiquet. Toi. Eh, pas français. Blofé. Non, et puis elle fait sorcellerie. On ne voit pas français. Tu vas aller prendre français, ça se les met dans ta bouche. Regarde comment ta tête est. Vous allez manger la pauvre femme. Vous allez manger. Elle quoi? Sauce quoi? Jungle. Elle pour tout. Je te demande, je suis pas ton camarade. Hein? On n'est pas pour faire. On a pour quoi? On a pour faire ça aussi. Simple, braisé. Mmh. Vous êtes braisé. Mmh. Tu es une braiseuse alors? Braisé simple. Il n'y a pas kéké, mbo. Il n'y a pas mbo. Donc c'est la plus dangereuse. Lui où on ne fait pas sauce là, c'est dangereuse. Ça va? Tu viens délivrer? Oui. Ils t'ont déjà mangé, mais Dieu va te délivrer. Tu as compris? Vous voulez délivrer? Nous on vous aime. Nous on vous aime. C'est pas vous êtes dans les conneries. Tout le monde vous aime ici. Mais c'est qui en vous là? C'est ça qu'on va combattre. Les yeux, sorcier. Avant, on pensait que c'était les vieux. Tu veux changer? Vous vendez vos pieds, allez. Allez. Pratiquement ton pied. Fais bien. Tourne ici. Ou comme ça, tourne. Allez, en train de suivre ça en direct. Voilà, il suit ça maintenant. Il est au centre en train de suivre en direct. Donc toi, tu as eu quel pouvoir? Comment? C'est quel pouvoir tu tues l'homme? Quel est ton poste là-bas? Tu fais quoi? Tu fais combien là-bas? Bon boulot. Faut laisser le chiffon là. Laisse! Ah, laisse! Tu mets après ta bouche, laisse! Vous avez combien là-bas? Hein? Les gens, tu vois où manger ensemble là. Tu réfléchis. Tu es seul là-bas? Ah, tu as combien? 13. Hein? 13. 13 personnes. Et toi, tu fais quoi là-bas?
Tu es petit qu'on est elle est mangeur d'âme, 13 personnes. Tu es la 13e. 7e. Hein? 7e. Non. Parmi les 13, c'est toi qui fais la 13e personne, tu es dedans. C'est ça? Maintenant, toi, tu as quel pouvoir? Pied qui est bon en marche, il fallait travailler. C'est ça, tu dis que quelqu'un entend manger et a quitté. Vous voyez quoi, la société est bête, non? C'est très sauvage, je veux dire. C'est bête. Bon, ils ont mangé, tu es contente? Hein? Donc, c'est pour en haut là-bas là, qui te plaît. Maintenant, tu veux quoi? Je veux la guérison. Quelle guérison? Tu veux être guérir? Hé, hey, je t'ai dit, tu ne me voyais pas. Hein? Je t'ai parlé, il faut lui dire ça. Ça fait la deuxième fois. T'as compris? Si tu me regardes encore les yeux de sorcellerie, je vais venir cracher dans tes yeux. T'as compris? Où est ton kiki là, c'est où? Ah, c'est nous. Elle fait quoi ça? Elle peut quoi ça? Je peux du mal faire Dieu. Kiki là, tu fais quoi ça? Bye non, toi, Nali, à pas de Dieu. Bye même. Coucher les gens. Quel gens? Tu fais quoi? Coucher? Et quand tu couches là, tu fais quoi? Tu les gardes ou bien? Vous venez d'où? Non. Vous avez parlé d'ici? Pardon. Qui vous a parlé d'ici? C'est Patricia. C'est qui Patricia? Patricia, l'an passé, quand ils ont fait leur mariage, là, sa maman a fait sorcellerie. Donc ils sont venus ici. Avec son mari. Ici, beaucoup de bons passeurs, donc on ne peut pas connaître. Sinon, elle-même, c'est elle qui m'a montré. Elle dit après. Il y avait quoi peut-être à montrer ici? Comme tu as travaillé pour elle. Mm-hmm. C'est ça qu'on s'est promené dans. Comme le Jésus l'a délivré là. C'est ça, elle m'a montré ici. Mm-hmm. Sinon, c'est Dieu qui délivre. Hein? Mm-hmm. Moi, je ne fais pas de travail. Moi, je ne fais que prier seulement. Puis Dieu lui fait le reste. Voilà. Mm-hmm. Tu savais déjà qu'elle était sorcière? C'est un monsieur qui m'a dit que tes enfants sont rentrés dans la sorcellerie de Yakuba. Dont les 10 qui sont là-bas, là, c'est les Yakuba. Les 3 là, c'est les Yakuba. C'est ça, il m'a dit. Maintenant, je suis allé dans le camp de prière, ils ont dit ça. Ils ont prié, il n'y a pas de changement. Donc, c'est ça, Patricia m'a appelé, il dit faut aller à Dieu. Ok. Vous serez délivrés au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons. Vous avez compris? Allez, asseoir. Voici vos quartiers. Désormais, voici vos quartiers. Monte derrière. Monte, on a tes marches. Ok, levez-vous que j'ai pris. Même là, vous avez venu avec qui? Qui vous a dit de venir ici? Abemi, c'est Abemi. Abemi? Paris. Paris? Non, avec le chat, c'est pas le problème. Ok. Abemi, les mains. Je prie que la puissante main de ton esprit se manifeste et que le pouvoir des ténèbres soit jamais vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que tu es Seigneur et tu es puissant. Et tu vis éternellement, Jésus. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es vivant, Jésus. Fais! Je t'avertis. Tu viens, tu veux forcément attaquer. Fais! Allez!
Jésus, tu m'as nous fité. Bye, fité. Allez. Elle est toujours prête à attaquer. Elle est toujours prête à attaquer. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez. Depuis là, elle veut m'attaquer. Depuis là, elle veut m'attaquer. Elle veut me manger. Tu peux jeter le moment. Moi, je suis empoisonné. Ma peau, y'a tant de wani, nous n'a qu'à la corruption. Ma peau, y'a tant de wani, nous n'a qu'à la corruption. Eli et la gosia, si li va ou. La gosia, si li va ou. Eli et la gosia, les si li va ou. La gosia, si li va ou. Eli et la gosia, si li va ou. La gosia, si li va ou. Eli et la gosia, les si li va ou. La gosia, si li va ou. Allez. 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 La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Ton pouvoir dans ce corps, puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Elle, là, son cœur est toujours pour la sorcellerie. Ça bat pour attaquer, attaquer. Même elle-même, elle a dit, moi, mon côté, là, jusqu'à janvier, elle va me prier. Elle t'a déjà pris. Tu es déjà mort, tu demandes encore janvier. Quelqu'un qui a déjà mangé, c'est dans des tous intestins, t'as déjà digéré. Elle est mise à l'eau, toilette, tout ça. C'est dans ça, tu dis non, j'en dis. Feu! Une très dangereuse sorcière. Elle a quel âge? 13 ans. Et quand elle a kiki, tout ça? Le feu. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir dans ce corps. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir dans ce corps. Je suis en train de neutraliser son pouvoir à la puissance que nous sommes. La puissance de Dieu. Elle est venue, toi t'es venue avec qui? Viens, viens. Où sont les parents? Sa fille qui est malade. Fais! Allez! Comment? Fais! 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 Allez! Comment? Fais! Allez! Fais! Fais! Allez! Fais! Fais! Allez! Fais! 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 Soulevez là alors! Ça dit soulevez celle-là! Fais! Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. 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 Comme. Feu sur toi. Feu sur toi. Feu sur toi. Comme. Feu. Allez, feu.
feu. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Neutralise. Allez, feu. Allez, feu. 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 Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Allez. Allez. Comment? La puissance de Jésus. Comme! Allez, feu! Allez! Feu! Feu! Lâche-la! Lâche-la! Allez! Quitte son corps maintenant même. Tu quittes sa vie et maintenant même. La puissance de Dieu te touche. Feu! Feu! Allez! Feu! 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 Allez! Feu! Allez! Lâche-la! Lâche-la! Va! Va-t'en! Feu! Va-t'en! 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 Quitte son corps! Quitte son corps! Quitte son corps! Au nom de Jésus! Amen! Au nom de Jésus! Amen. Au nom de Jésus! Amen. Allez! Feu! Allez, feu! Allez, feu! Allez, feu! Allez, feu! Allez, feu! Ton pouvoir est vaincu! La sorcellerie est vaincue au nom de Jésus! La sorcellerie détruit dans ce corps! Détruit dans ce corps! La sorcellerie! Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, écrase ton pouvoir dans ce corps. Écrase ton pouvoir. Allez! Le feu sur toi. 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 Le feu. Où est la fille qui avait dragon? Viens, toi, viens. Elle m'a expliqué un problème, viens. Elle est venue avec ses parents pour la faire délivrer de la sorcellerie. Elle a fait ses aveux, elle a été délivrée. Ses parents ne veulent plus la prendre. Voilà. Ses parents disent non, ils refusent de la prendre. C'est comme celle-là. Viens. C'est sa propre maman qui l'a envoyée ici pour se faire délivrer. Maintenant, sa maman dit qu'elle ne veut plus. C'est comme ça les gens sont. Nous sommes confrontés à ça. Les gens envoient des gens pour les faire délivrer. Maintenant, on les rassure qu'ils sont délivrés et on ne veut plus les prendre. Et quand c'est comme ça, nous, on est obligés de les protéger. Parce que si on force les choses, ils vont les tuer. Pour ne pas qu'on les tue, on est obligé de les protéger. Les prendre sous nos charges. Tout qu'on fait, ce sont des êtres humains. S'ils ont pratiqué la sorcellerie, c'est. Mais Dieu peut les délivrer. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Comment? Allez! Détruis la sorcellerie. Je détruis la sorcellerie. Détruis la sorcellerie. Je 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 détruis la sorcellerie. Allez! C'est ça que je vous demande de croire Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là et c'est un message très fort. Un homme ne peut pas être là sans Dieu. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit là
et que sa vie soit sans Dieu. Si ta vie est sans Dieu, tu es exposé à un grand danger. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est qu'il renie son existence. Parce qu'il y a un être suprême qu'on appelle Dieu qui existe. Or, s'il existe, le but pour lequel l'homme a été créé, c'est de reconnaître Dieu là et de l'adorer. Dans son comportement, dans sa manière de faire. Et quand on ne reconnaît pas Dieu, on est exposé à un danger. Parce qu'autour de nous, il y a les affaires de Satan qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Chacun d'entre nous a une étoile. Chacun a un talent. Dieu nous a créés pour le bien, c'est-à-dire pour que nous soyons heureux. Malheureusement, il y a des personnes qui sont des agents de Satan qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions. Qui nous donnent des maladies. Qui nous créent toute une misère. C'est pour cela qu'un être humain doit croire en Dieu. David dit dans le psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et c'est pour ça que quand vous avez Dieu, la sorcellerie ne peut rien contre vous. Moi, je viens de Lomé, j'ai vu ce que Dieu m'a montré. Je suis allé aider une soeur. J'ai vu. Quand on n'a pas Dieu, on est exposé. On peut prendre ton âme dans une tombe. On peut prendre ton âme aller mettre dans la mer. On peut prendre ton âme dans une bouteille. Pendant que toi tu vis, ton âme est dans une bouteille. C'est pour ça que nous combattons la sorcellerie. Eux, ce n'est pas eux, nous combattons. L'esprit qui est en eux, là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que quand ils sont sur la terre, ils doivent voir un être humain le respecter. L'être humain doit le respecter. Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Un homme qui ne respecte pas un être humain, c'est le fils du diable. L'homme est trop sacré. Pourquoi on le mange? L'homme est trop sacré. Pourquoi on joue à lui? L'homme est trop sacré. On n'a pas peur de lui, on veut le manger. Sur ça, je vous conseille de marcher avec Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus-Christ. Laisse à moi. Viens, tu as force. Viens. Tu as force. Oui. Va manger la galère. Ça va aller. Tu as mangé la galère. Jésus-Christ, Seigneur, touche-la. Touche-la. Et vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas ce qui se passe. Pourquoi? On ne sait pas. On donne à Dieu son mari. Dieu va délivrer. Mais Dieu est là, il y a la sorcellerie. Nous, on ne sait pas. Ah, vous ne savez pas? Pourquoi? Mon père, je crois Dieu son mari. Quand tu crois Dieu son mari, ça veut dire. Je dis Dieu n'est pas soulevé. Tu crois Dieu comment? Tu fais quoi pour Dieu? Je ne fais rien, mon cœur est de Dieu. Tu commences à comprendre, ton cœur fait comment pour Dieu? Je prie et Dieu. Dieu n'est pas mes. Depuis Dieu n'a pas écouté ta prière. Peut-être que je n'ai pas encore
Il a fait des fraudes, hein? J'ai vu des sales touches chez toi. Oui, c'est pour ça qu'il chantait. Quand tu vois que je parle trop comme ça, j'ai vu des chats. Moi, c'est pas visage et regard. La chose, c'est dans ma tête. Quand ça tourne comme ça, puis ça arrive plusieurs fois, puis je te regarde, c'est que la vilaine chose, là, c'est en toi. Moi, j'enlève ça dans la vie des gens. Donc, on va te délivrer. Tu es d'accord avec ça? Lève les mains. Je prie que la puissante gloire de Dieu vous bénisse. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis.